faire des cours de... Est-ce que vous pourriez me poser, ah, oui. Est-ce que vous pouvez me poser une ou deux questions de code? Oh non, ah, surtout pas, je suis, en trois quarts... Alors, moi, je me suis, quarts de retraite. Je me suis fait arrêter par la police, que j'embrasse fort, d'ailleurs, depuis. Parce que, savez-vous qu'il y a un seul moment où on a le droit de klaxonner sans se faire verbaliser? Non. Voilà. Il y a un... Oui, alors lequel? En cas de danger immédiat. En cas de danger immédiat uniquement. Oui, bien sûr. Ah, je ne savais pas. Bah, si. Moi, par exemple, je suis en voiture, il y a une jeune fille qui me pose la main sur la cuisse, je klaxonne. Il n'y a pas danger. C'est pas du danger, c'est une grande chance. Il y a danger pour elle. Il y a danger pour elle. Et bon, allez, Pépita, c'est à toi. Bonjour. Bien, ma pépite, bonjour. Bonjour, Patrice, bonjour à tous. Je confirme que Claire conduit. Oui, pardon. Ah oui, c'est non, je confirmais que Claire conduisait parce que sa première journée à Paris, elle l'a passée avec moi. Oui. C'était pour les 7 d'or et j'étais tellement énervée que c'est elle qui a pris le volant de ma voiture. Et elles ne sont jamais arrivées. C'est pas de ma faute, hein. C'était les bouchons. Non, c'est vrai, c'était pas de sa faute, je promets. Elle conduit pas trop mal, c'est très bien. Merci. Ah ben, elle connaissait pas la voiture, elle nous a emmenés jusqu'à là-bas. Oh bah les Porsche, ça se conduit facile. Avec le petit doigt. Bon, j'étais venue pour... oui, mais hop, voilà, c'est fait. Et nous allons téléphoner à monsieur Claude Grillet qui habite à Marseille. Ah, un mec. Un mec qui est de Marseille. Et en plus, ouais. Comme par hasard. Claude. Non mais attendez, je dis rien, moi. Vous voulez pas savoir pour combien vous jouez? Ah, c'est une dame. Claude, d'abord, c'est une dame. Bonjour, Claude. Et oui, c'est pour ça, bonjour. Alors, pour combien joue-t-elle les fers? Pour 800 francs. D'accord. Bon. Heureusement que vous êtes d'accord, autrement, elle était mal. Hein. Ça va, petite Claude? Ça va très bien. À part qu'une fois de plus, je me prends pour un homme, mais enfin, à part ça, c'est pas grave. Ouais, mais on non, mais passe. C'était moi, c'est pas grave. Hein. Ah oui, mais quand même, tout le monde, dès qu'on voit Claude, c'est monsieur. Il fallait vous appeler Germaine, hein, c'est votre nom. Voilà, bon. Vous avez absolument raison. Ça va, petite Claude? Ça va très bien, Il fait bon dans notre bonne ville? Et il fait très beau, il fait toujours beau à Marseille. Oh là 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 là. Bon. Allez, Claude. Non, mais je voudrais dire un grand bonjour à tout le monde, au public, à vous, à Néferpoulis. Bonjour, Claude. Laurent, Claire, enfin, à tout le monde. Voilà. Vous dire combien j'aime l'émission, que je suis... Quand je peux, parce que je ne suis pas toujours les jours chez moi à midi, mais enfin j'enregistre ou autre. Non, mais c'est mieux de la manquer de temps en temps, vous savez, comme ça on dit. Voilà, ça fait du suspense. Voilà, exactement. Allez, vous jouez avec qui? Alors, je vais jouer avec Claire. D'accord, bonjour Claude. Bonjour Claire. Alors, je vous dis voiture. Automobile. Revente. Occasion. Oui, merci. Et Laurent? Alors avec Laurent. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Qui adore Marseille en plus, Laurent. Eh oui, mais est-ce qu'il vient souvent à Marseille? Jamais, c'est pour ça. Voilà. Mais il faut venir. Non, je suis plaisante. On est passé ensemble avec Patricia pas longtemps. On fera un week-end tous les deux un jour. Voilà. Ah oui? Bon. Alors je disais avec Laurent. Hein, Pardon? Allez-y, non, je disais avec Laurent le week-end. Alors je vous dis compliment. 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 Que c'est pas facile. Compliment, que ça peut être dire? Compliment, bravo. Éloge. Compliment, éloge. Je trouve pas, ça y est. Oh, zut. Après, hein. Chut. Aïe, aïe, aïe. Oh, zut, je sais pas. Félicitations. Je sais pas être assez encouragé. Eh ben, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous avez dit, Laurent? J'ai pas été assez encouragé. Oh, Bon, vous êtes pas trop déçu, hein? Non, je rejouerai. Bah voilà, Claude. Attendu, j'assure. J'enverrai une petite carte postale et puis j'espère. J'ai fait les éliminatoires l'autre fois de Pyramide à Avignon, mais je crois pas avoir été retenu. Alors. Ah, on peut peut-être le savoir tout de suite. Bah, je sais pas. Ah, un truc en direct comme ça. Est-ce que Claude Grillet était retenu? Ils savent pas. Je me tourne, alors quand je me tourne là-bas, il paraît que si on le demande souvent dans le curieux, c'est que là où est la production, je vois les Fertiti, je vois le producteur, je vois Laetitia. Ah, vous voyez tout le monde. Je vois tout le monde, donc je me tourne vers eux. Est-ce que Claude Grillet a été retenu à Avignon? On ne sait pas. Ils me disent, on ne sait pas. Bon, ben j'attends. Non, je pense pas parce que j'ai un petit peu... Voilà, c'est moi. Bonjour. Vous avez tout raté en fait, non? Non, j'ai réussi l'écrit, mais à l'oral, j'étais un petit peu énervée. Et vous avez tapé le Emmanuel. Voilà, tout à fait. Donc vous n'êtes pas retenu. Peut-être qu'on vous verra un jour sur le plateau. Hein. Mais j'espère bien, je recommencerai, ne vous inquiétez pas. Au revoir, Claude. Voilà, merci, au revoir. Allez, Marseillais, c'est quand même quelque chose. Premier épisode.
Doublez le temps d'enregistrement de vos cassettes avec ce magnétoscope Palsécam. Grâce à sa fonction longue durée, vous pourrez également programmer un mois à l'avance l'enregistrement de vos émissions favorites. Vous pouvez le gagner grâce au magasin JTEM.